Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment ajouter un routeur dans son GNS. Regardez ici, le default de GNS n'a pas de routeur. Il a switch from relay, il a switch de l'AE3, il a Ethernet, il a hub, il a ATM. Mais il n'a pas de routeur. Donc, c'est toi-même tu dois ajouter routeur dans ton GNS. Et comment ça se passe? Tu dois d'abord télécharger iOS, c'est-à-dire image de routeur sur Internet. Et une fois téléchargé, tu finis d'installer ton GNS. Donc, tu viens dans Edit et tu vas dans Preferences. Et ici, tu viens sur iOS routers et tu fais new. Dans new, tu vas chercher maintenant l'image iOS que tu as téléchargée. Donc pour moi, se trouve ici. Et voilà ça ici. Je clique deux fois dessus. L'image est venue. Je fais next. Ici, il a reconnu la marque de switch en même temps son nom et puis tout. Donc je fais next. Et il me demande de préciser RAM pour lui, de lui donner RAM. Donc je prends le default, sinon il peut changer. Voilà, mais je prends le default, je fais next. Ici, je dois choisir câble pour lui. FI c'est face Ethernet, FORTI c'est câble serial, 8C aussi c'est câble serial. Et ça c'est Gigabit Ethernet. Et tous les TX c'est face Ethernet aussi. Donc, je prends les deux là et puis je fais next et je fais finish. Et voilà. Et je fais OK. Donc, si je viens ici, je viens trouver mon routeur que j'ai ajouté. Et voilà, je peux prendre ça et bien placer dans l'écran. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.